Bonjour, je m'appelle Julien. Nous sommes à Saint-Amand-Moron dans le Cher. Nous sommes au club de gymnastique de la ville, donc l'Étoile Saint-Amandoise, qui est un club qui existe depuis plus de 135 ans maintenant. J'en suis le président depuis 3 ans maintenant et vice-président depuis 11 ans avant. Je suis également entraîneur au club depuis plus de 20 ans. À l'Étoile, on pratique la gymnastique de 15 mois jusqu'au senior, sans limite d'âge. Pour les plus petits, évidemment, on va être sur de la motricité. Pour les plus anciens, on va être sur de l'équilibre, de la mémoire, de la motricité également. Et puis au milieu de tout ça, on a la gymnastique artistique qui est notre fleuron pour les garçons et les filles, que ce soit dans la compétition ou sans compétition. On a également la gymnastique rythmique et les personnes en situation de handicap. Le tout en fait est encadré par 4 salariés et puis une équipe de plus de 40 bénévoles qui œuvrent au quotidien et qui sont formés par notre fédération et qui nous permettent de faire des activités plutôt variées et riches. On fait des prestations extérieures et dans la salle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les prestations extérieures, elles sont orientées un petit peu plus vers le public santé et le public senior pour travailler dans des établissements pour les personnes âgées ou pour des personnes en situation de handicap, mais également pour faire des démonstrations gymniques de notre activité et puis de sortir l'activité qu'on connaît dans la salle en extérieur et puis avoir une richesse dans nos propositions. Ce qu'on apporte également, c'est de l'emploi puisqu'on a 4 salariés, donc c'est important pour notre bassin. Et puis tout ça en fait permet à ce que nos bénévoles puissent proposer une étoffe entière de la gymnastique dans sa globalité et autour de l'équilibre, de la performance, de la rigueur, du loisir, du bien-être.